La quatrième édition du Classico du Rire, c'est l'événement majeur que je vous annonce ce matin dans le brief culturel. Le manager de la team Aziza Comédie est sur ce plateau pour vous annoncer cet événement humoristique qui n'est pas à rater, surtout à Porto Novo. Le manager de la team Aziza Comédie, Deluc Roumenou, il est là sur ce plateau, comme je viens de vous l'annoncer. Bonjour. Bonjour. Quand on parle de Classico du Rire, d'abord, c'est déjà la quatrième édition. Dites-nous d'où vous est venue cette idée, l'art de créer un groupe destiné à faire rire le public. Alors, merci d'abord pour nous avoir donné l'opportunité de parler de cet événement sur ce plateau. Alors, la team Aziza Comédie a été créée en 2019 avec un rassemblement de jeunes humoristes originaires de Porto, puisqu'on se dit... Il y a beaucoup de choses qui se font, il y a beaucoup de talent. On voit des artistes de Porto-Novo à Cotonou, Paracou, un peu partout. Mais pourquoi ne pas créer un creuset pour pouvoir réveiller la capitale, surtout en matière d'humour? Et ça se montre un peu partout aujourd'hui. Nous voyons sur des événements nationaux, des humoristes de Porto-Novo. Par exemple, je prends le stand-up de Chromosome à l'Institut français passé. Il y avait... beaucoup d'humoristes de Porto-Novo, suivi les 7 humoristes finalistes, 4 venaient de Porto-Novo. Alors, pour cette quatrième édition, que réservez-vous au public? Alors, nous leur réservons un show époustouflant. Époustouflant, c'est-à-dire, ouais. Quand on dit époustouflant, on va s'attendre alors, à quoi? Alors, vous voyez, il y aura le sergent Kondi, ouais, qui sera là, le pasteur Simon, et nous avons Véronique et le baba femelle, etc. Et l'événement est classé... parmi les meilleurs événements de Porto-Novo, puisque nous rassemblons souvent 600, 700 spectateurs. Donc cette année, l'objectif est de dépasser les 1000 spectateurs. Donc nous sommes là pour donner une journée, pour ne pas dire une soirée purement rire à Porto-Novo. Et pourquoi ne pas étendre cet événement sur plusieurs jours et le faire que sur un seul jour? Vous voyez, nous avons plusieurs événements. D'accord. La team a plusieurs événements. Nous avons le Ewa Konu qui est là. Et donc, nous nous sommes dit, puisque c'est des moyens, vous savez, louer des lieux, la logistique, tout et tout. Donc, on s'est dit, bon, en une soirée, nous allons faire chaque événement en une soirée. Donc, le Classico du Rire, c'est prévu pour quand et où a lieu cet événement? Alors, le Classico du Rire est prévu pour le 20 avril prochain, le 20 avril 2024. Au nouveau reste Cocoyer de Porto-Novo. Et l'entrée, elle est gratuite? Non. L'entrée est à 1000 francs, le VIP est à 2000 francs. Et si quelqu'un décide de soutenir l'événement, qu'il a des fans parmi les 16 humoristes là, et il décide de soutenir l'événement, il peut payer le pass à 5000 francs. Le pass soutien à 5000 francs. À 5000 francs. Est-ce qu'il y a des privilèges quand je prends le ticket de 2000 francs ou bien de 5000 francs? Bien. Alors il y a des privilèges. Lorsque je prends un ticket de 2000 francs, je suis bien positionné en avant d'abord. Hein? D'accord. Et j'ai de droit à un petit gadget. Et lorsque je prends un ticket de 5000 francs, je crois que je suis dans la place d'honneur d'abord d'office. Et j'ai droit à quelques gadgets, et en plus de ça, quelques trucs là. Amuse-bouche, Yahoo, etc. que nos partenaires nous offrent. Ça, c'est intéressant. Et là, déjà, hein, dites-nous, par quel numéro peut-on déjà joindre hein, la team Aziza Comédie? Alors, contactez seulement le 66 73 25 76. 66 73 25 76. C'est déjà la fin. Nous sommes déjà presque à la fin de cette annonce événementielle. Un mot pour conclure. Alors, je vais demander à tous ceux qui désirent soutenir l'événement de ne pas hésiter à nous contacter pour qu'ensemble, nous puissions contribuer à l'épanouissement de la jeunesse de Porto-Novo. Puisqu'on dit souvent Porto-Novo dort, mais Porto-Novo ne dort pas. Nous y travaillons pour que cela puisse se réveiller. Et je ne vais pas aussi finir sans remercier la Guérite TV Monde pour l'opportunité qu'il nous donne de passer sur le plateau. Merci à vous, Deluc Roumenou. Je rappelle que vous êtes le manager de la team Aziza Comédie qui organise en avril prochain, précisément le 20 avril, le Classico, le Classico du Rire qui aura lieu. Ah ouais, vous n'avez pas dit le lieu, hein? Oui, j'ai dit le lieu, mais je répète. D'accord. Au nouveau Rex Cocoyer, 6 au Carrefour Cocoyer, non loin. Lorsque vous prenez le tronçon Carrefour Cocoyer vers Sardoyon, première maison à droite, maison blanche.
voilà, ancien ciné Le Temple, pour être beaucoup plus précis. Et voilà qui est rappelé à tous. Mesdames, messieurs, ne manquez surtout pas cet événement humoristique qui aura lieu le 20 avril prochain dans la ville capitale du Bénin. C'est un plaisir de toujours vous donner le rendez-vous culturel de votre émission Le Meilleur Réveil.